Nous conseillons à Betty peut combattre contre nous. Pour nous, nous avons combattant échouer. Il faut d'abord féliciter l'artiste Fally Ipupa. Omoni Koffi Olomide, qui est un grand de notre musique. Tant que Zoka y avait la merveille, il avait découvert qu'il y avait une merveille en cet artiste. Et aujourd'hui, Fally Ipupa, il faut le couper ses fleurs, mais ils ont les sons. Pour tous les citoyens congolais, pour Bissounesso, les sons, il y a discipline, détermination, na excellence. Excellence, oui. Et puis, dans le Cameroun, surtout, il faut un peu de chance. Bissounesso, il faut un peu de grâce. Surtout, chance, il y a lui. Et Fally Ipupa, depuis qu'il a commencé, carrière Mogo exemplaire. Et puis, hier, c'est un exploit. C'est le premier artiste africain à jouer. Atteindre 40 000 places, ouais. Na ce lieu, la salle de spectacle fermée à plus de 40 000 places. Donc, tout le monde que atteindre palier Moko, Oyo et Mimi sous musique et la culture Nabiso Nicolo. Ça montre tout simplement, pas forcément que les gens veulent servir le pays, mais parce que aujourd'hui, malheureusement, seul endroit pour s'enrichir, c'est faire de la politique. C'est faire de la politique. Vraiment, beaucoup sont là par l'appât du gain. Mais oui. Ils ne sont pas là vraiment pour servir le pays. Mais comment voulez-vous qu'un député qui gagne 21 000 dollars, voilà. C'est comme du miel. Tout mon le monde cher, veut aller goûter. Là. Voilà, il n'y a aucun poste, il n'y a aucune entreprise au Congo où il y a au Congo Futama 21 000 dollars, à part le fait d'être un député national. Sans compter que 21 000 dollars, ça c'est le salaire qui est reconnu. Mais il y a tout ce qui est comme prime de commission, tout ce qui est comme prime d'enquête, tout ce qui est comme prime, il y a ma réunion. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent où ils ont brassé, malheureusement, au niveau de l'institution. Alors, ça, comme bande de combattants, il faut dire quand même qu'il faut séparer les choses. Le combat est la noblesse d'Ango. C'est-à-dire qu'ils ont la noblesse d'Ango, revendication pour que. Tolingi changement Isala. Alors bon bah zoki stratégie que le peuple congolais a dans la musique mingi ceux qui tokei na medium wana kotia ko contre carré medium wana il y aura un écho et il y aura plus makasi parce que dans la musique mingi. Mais il faut dire que les choses ont évolué. Même les stratégies de combat, il faut changer. Faut pas changer physique de pôle avant moi. Faut changer. Maintenant faut comprendre parce que le mot d'ordre à combat depuis plusieurs années, c'était Kabila dégage. Alors, ce qui maintenant objectif, on a, ils ont atteint. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Ouais. Alors, est-ce que stratégie à continuer au boycotter musique, ils ont continué à fonctionner? Point d'interrogation. Bah, mais tout le monde, comme si tendance d'un côté opposition, comme il y en a des blocs. Parce que tout le monde bloque à l'Ibosso et Salami. Il y a Matata Ponyo et Moïse Katumbi, tout le monde va s'être Frank Diongo, mais on a tendance à voir aussi que non, comme s'il y a un autre bloc. Izo Salama, Denis Mukwege, Martin Fayulu et Delice Sanga. Tant que vous avez un opposant, vous avez peut-être censé vous avez un candidat comme moi pour que vous avez une chance, beaucoup plus de chance de gagner l'élection pour que vous avez fait que vous avez un mandat, mais vous avez un ordre dispersé. C'est quoi ton analyse par rapport à la situation? On a bon, monopole la parole. Bah yé kolo ba bilo ko musu kolo ba n'importe quoi. Bah de kolo limbi ça na fingité. Mais parfois quand on regarde des choses qui se passent dans les réseaux sociaux na biso et na ba chaîne na biso, ils ont ça la passe. Ils ont ça la passe pe mawa. Totombola raisonnement totombola mayele. Vraiment merci beaucoup, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci beaucoup et salut à toi maman Alice Matuta maman et Titi Fayulu à Kinshasa, toute la famille Fayulu, je vous aime, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bonjour.
Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans vos maisons pour que nous puissions discuter, parler de l'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité politique et aussi l'actualité culturelle. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec mon collaborateur de tout le temps. Donc, je lui laisse se présenter. Bonjour, mon frère. Bonjour, Neko. Patience, soyez le bonheur. Bonjour et bonsoir à tous les abonnés de la chaîne de l'excellence PFB Bonheur Télévision. De partout, vous nous suivez dans le monde, à Kinshasa, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe. Nous disons bonjour ou bonsoir. Bisoyo. Bande Konabino, il y a Tosso Lamboka, l'émission qui passe depuis Montréal en Amérique du Nord, à Ouana, Canada, ce matin ou ce soir chez vous, Toko Solola, plusieurs choses au menu, notamment... La politique, donc les élections qui viennent de commencer en République démocratique du Congo, donc la campagne électorale, et nous allons aussi parler des concerts de Fally Ipupa du Cap La Merveille à You Arena, qu'on profite en même temps pour lui dire félicitations, parce que des défis relevés, c'est pas facile. Donc voilà, c'est votre magazine Tosolo Lamboka. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans votre chaîne PF Bonheur TV et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Cette émission passe également sur notre page Facebook PF Bonheur TV officielle sur Facebook. Donc allez vous abonner, ça nous fera énormément plaisir. Alors Papi Maurice Mbouiti, oui. Nous allons directement entrer dans le bain de notre actualité. Mm-hmm. Alors nous allons parler des élections, mm-hmm. De la campagne électorale, mm-hmm. des élections présidentielles en République démocratique du Congo, parce que si les points chauds, les points clés où ils allaient les lots na Mboka na Biso. Mm-hmm. La campagne vient de commencer, mm-hmm. avec toujours kaka na présidentiel, législatif et municipal. Na côté présidentiel, une vingtaine de candidats. Na côté législatif, pour 500 places, on a plus de 22 000. Donc candidat. Mm-hmm. Donc, municipal, n'en parlons même pas, parce que Kuna est à peu près dans les 30 000. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu en penses? Bon, merci Neko, patience, soyez loup. Vous savez, il y a. Analyse d'Abusso, ils sont toujours équilibrés. Mm-hmm. Première chose, c'est une bonne chose parce que ça montre la santé de notre démocratie. C'est-à-dire qu'il faut dire, depuis à peu près. Trois cycles, au troisième cycle électoral, tout ça en haut, ou même quatrième cycle, je pense, quatrième cycle électoral, que au moins les rendez-vous des élections, ils allaient respecter. Chaque fois, il y a un cycle électoral, au moins il y a des élections chez nous. Après, on va analyser la qualité de ces élections. Mais au moins, il y a des élections. On sait comment les élections se passent. Donc ça, c'est le bon côté. Le bon côté, c'est-à-dire qu'au moins, plus ou moins... Dans chaque 5 ans, il y a quand même élections. Voilà, il y a quand même 5 ans. Les élections en 2006. En 2006. On a connu en 2011. 2011. Et 2018. Et voilà que tout ça, na sukoyo 2023. Donc au moins, on sent que... la santé et la démocratie sont plus ou moins fonctionnelles. Mm-hmm. Mais bien sûr, il va falloir y aller. Alors, ce qui est à déplorer, c'est le nombre de candidats. Et là, au niveau présidentiel, au niveau législatif, même au niveau municipal. Ça montre tout simplement, pas forcément que les gens veulent servir le pays, mais parce qu'aujourd'hui, malheureusement, seul endroit pour s'enrichir, c'est faire de la politique. C'est faire de la politique. Vraiment, beaucoup sont là par l'appât du gain. Mais oui. Ils ne sont pas là vraiment pour servir le pays. Mais comment voulez-vous qu'un député qui gagne 21 000 dollars, voilà. c'est comme du miel. Tout Mon le monde cher, veut aller goûter. Là. Voilà, il n'y a aucun poste, il n'y a aucune entreprise au Congo, au Congo Futama, 21 000 dollars, à part le fait d'être un député national. Sans compter que 21 000 dollars, ça c'est le salaire qui est reconnu. Mm-hmm. Mais il y a tout ce qui est comme prime de commission, tout ce qui est comme prime d'enquête, tout ce qui est comme prime, il y a ma réunion. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent où ils ont brassé, malheureusement, au niveau de l'institution. Mm-hmm. Donc ça fait un appât du gain. Premier défaut. Deuxième défaut. Quand vous avez plus de 32 000 candidats, difficulté, Isali d'abord, il y a
transparence, il y a l'élection. Parce qu'il faut dire aussi que l'opposition continue à réclamer fichier électoral, nettoyage à fichier électoral. Fichier Wana, est-ce qu'ils ont confiance en ça? Bah, ils ont confiance dans l'OPNAD. Ils ont confiance dans l'OTE, mais ils sont quand même allés aux élections. Ils sont quand même allés aux élections parce qu'ils pensent quand même que, bon, il faut donc un cycle électoral et aller faire vivre santé démocratie Nabisso. Mais ils sont allés là-bas. Que, bah, l'élection est allée, certes, mais ce n'est pas des élections, je veux dire que. Ce n'est pas garanti à 100%. C'est-à-dire, fiabilité de l'élection, ils ont peiné à 100%. Mais une fois, peut-être, mais bon, comment dirais-je, donc, ils ont validé les élections parce que Badago refusait. Il fallait quand même pas camper dans la position de Bango. Babo a participé, mais participer quand même. C'est comme si vous validez les erreurs au nom de vous décrier. Ou besoin qu'on ait que l'organisme malam ou mais bon dimi quand même qu'on a quatre. Besoin moi n'attendez que non bah place on a bah on va valider l'élection. Je pense que dans notre pays beaucoup pour les opposants on a dans notre souvenir la politique de la chaise vide. Oyo papa Tshisekedi les a reçus depuis un long moment. On a vu que la politique de la chaise vide ne paye pas parce que comment ça fonctionne dans notre pays ce que zate. Aux Alatés, les élections vont se faire. Ils préfèrent être peut-être à l'intérieur et essayer de vouloir changer les choses de l'intérieur. Mais malheureusement, en étant à l'intérieur, dans, c'est-à-dire que comme on le dit, vous avez cautionné l'élection, que ce soit du bon ou du mauvais. C'est-à-dire que qualité à l'élection, voilà. Et que ça dépend de ce que le gars possible on dit magi beaucoup tiens go. Alors donc là comme on dit pour tout ça analyse où on a toujours le baquet. D'abord nombre de candidats les Kébélés. Ça, c'est de un, parce que, et bien, on n'a pas du gain. Deuxième chose, alors, tous les tout le bas, bah, mécanisme venu sur l'élection, on dirait qu'ils en ont parce que, tous les gens ont fait le coup, la carte d'électeur. Ouf, la carte des électeurs, la carte d'électeur, les bélés sont illisibles. Même pas illisible, mais koufi totalement, tu sais que le papier pembe. Bon, voilà. Maintenant, et le quoi, n'ingewana, avec des cartes d'électeurs illisibles, je me pose la question. Comment va se passer comment ça va se passer le jour du vote? Déjà, il faut au Kende d'abord, avant l'élection Salema, on publie la liste des électeurs bureau par bureau. C'est ce qui n'est pas encore fait. Bureau par bureau, il faut que ngai na voter circonscription nga eza oyo bureau nga ya vote yango. Si que sur okay pour voter, il faut que sa carte d'électeur là yo identifier yo ba monake effectivement c'est papy Maurice Mbuti qui est venu azali inscrit na bureau oyo azali inscrit na numéro tel. Maintenant, j'arrive avec une carte illisible. Comment ça va se passer? Aux hommes là que moi bah quoi que zanano. Il y a un peu c'est quand on a sorti plutôt zone zanano moi c'est ma. Mais on a connu des élections en 2006, 2011, même 2018. Il y a eu des machines qui étaient déjà là. Voilà. Bah carte où on a au moins rien à battre monsieur de l'eau bah ma carte à 2006. Oui zanano. Ezali. Mais pour qu'est-ce qui a fait que bah changer ma machine alors que ils avaient encore des machines ou bah pourquoi qu'on réutilise quelque ma machine où on a pour que bah, tous en élection, il y a une qualité moins bien que bah, que la machine, ce qui est imprimante thermique, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et ça, ardoise. Malheureusement, encore une fois, Ndeko, patience, c'est que c'est parmi les causes, parmi les choses où te décrire à la les matériels, les kits électoraux, normalement, après l'élection, il faut soit le garder, soit les transformer. Mais ce que bah, matériel n'yosouana, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Point d'interrogation. Est-ce qu'entretien dans Mozagi Malam? Point d'interrogation. Et puis, à ma machine ou à Sika Otozui, est-ce que ces machines-là ont été testées? Est-ce qu'on a testé l'efficacité dans Mozagi? Parce que carte Otozui, tout beau et tout ça, c'est un roulement. Mais la carte, après 3 mois d'utilisation, elle est illisible. Comment ça va se passer? Comment identifier un électeur par rapport à son bureau de vote? Comment identifier que, effectivement, telle personne n'est mouteux. Bon, ça c'est en cas. Bon, donc dans le cas de force majeure, on a eu l'accès carte, on a eu papier blanc, mais on a eu le problème. Mais ça, on a voté. Mais faut que tu moto, il faut que tu aies moto, bon, c'est. Faut que tu aies moto. Il faut que tu chaleur, bon, c'est. Et lui, il se voit comme. Présent, c'est présent, elle est là, le bac à il semblerait que. Présent, il y a. C'est n'est pas ça. Présent, Kadima. Non, le bac à il faut qu'on chauffe carte.
chauffeur 4 ko yando lango. Non, faut être un peu sérieux. Non, yando lango. Mon cher, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Mon cher, faut être moins sérieux dans mon cas. Et puis, c'est pas comme les bima. Non, on est. Soit que on soit duplicata. Mais duplicata, moyen à l'argent. Je pense que pour l'instant, il faudrait qu'on soit duplicata. Mais l'axi que même la séance à duplicata, et qu'on fait perdre temps, notamment la position électorale. Parce que imaginez que ceux qui, dans le bureau de vote, Moko Bazar, 5000, par exemple, électeurs dans le bureau de vote, voilà. Il faut mettre 5000 duplicata. Donc tout ça, est à moi, bah, couac, par rapport à la qualité de nos élections. Il y a autre chose, quand, par rapport à la duplicata, il y a la carte électeur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés. Donc quand vous montez qu'on soit duplicata, c'est-à-dire que c'est une personne qui a été enrôlée. Donc il est dans la base de données. Bon. Mais la personne arrive avec sa carte pour avec son identité pour avoir un duplicata, mm-hmm. Mais comme on est alité, bah on s'est engagé à s'enrôler les sous, alors qu'il a enrôlé salama. Au moins on était quelque part ils allaient comme aussi une tricherie, ils a déjà orchestré, bien organisé. Comment, parce que tout le monde a enregistré, comment on justifie mon engagement? Justement, il y a un défi à l'élection. Très technique. Parce que tant que le matériel technique n'est pas très fiable, ils ont malheureusement un couac. Ça peut même remettre la crédibilité de ces élections. Mm-hmm. Même si la volonté politique est exprimée, même si la volonté politique est un moyen, mais mettre des moyens avec des matériels techniques non fiables, ça nous amène à des élections qui vont être malheureusement douteuses. Parce que comment savoir que effectivement ils ont voté? Parce qu'on ne peut pas vérifier cela. Mm-hmm. Bon, même si on lance l'opération de duplicata, cette opération-là, il faut que ça prenne du temps. Il faut que tout le monde ait le temps d'arriver dans un lieu et puis pose un duplicata. Voilà. Mm-hmm. Imaginez que Mboko na biso eza tellement mounene. Ceux qui est salami pour na Kinshasa, Bandeko bazana Aru, Bandeko bazana Bouta, Bandeko bazana Tchela. Donc bango pe il faut passer bango temps. Bakendo goluka ba duplicata. Donc au moment que élection na biso oyezo ya eza ba défi ebélé, notamment les défis techniques, parce que apparemment tisikoyo Le fichier électoral n'est pas tout à fait toloba. Audité, oui, clair. Ils ont clarté. Ils ont une clarté parce que bah données ont changé tout le temps. Mm. Ce qui est, il faut que à chaque fois que Moutarou ça la duplicata, qu'on ne le retrouve pas sur la liste et qu'on fasse de nouveaux enrôlements, il risque de doubler les alliés. Aux hommes là. Si quoi au pire que Mboka d'Abisso, tu as un problème, ma casse, il y a uniformisation, il y a informatique, tu as un problème, ma casse, il y a internet. Mm-hmm. Parce que normalement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un serveur central. Et que c'est un serveur central où il y a toutes les données de tous les électeurs. Mm-hmm. Donc, nous espérons que la CENI va se rattraper rapidement pour que le défi technique wana lobby ezalaté le quoi là-bas argument pour certains candidats malheureux qui vont se dire que ngai na longi mais ce qu'on justifie on n'engagne tout ce monde là. Donc tous ces éléments là risquent malheureusement de créer des conflits, risquent de conflits post électoraux. Donc et là on te senga na bande quoi CENI, notamment s'ils peuvent récupérer sur le plan technique notamment l'ikambouya l'ikambouya duplicata l'ikambouya carte na l'ikambouya liste électorale pour que effectivement toutes les personnes qui vont voter soient réellement des personnes enrôlées dans le bureau et qu'ils votent et ils votent réellement et qu'ils votent une seule fois et que même ces personnes là soient réellement les personnes inscrites. Tout à fait, parce que nga na kokoya na lobi nga inde fayul oyé ba ndengeni. Oui, bah, parce que aux vérifier voilà. La base. Voilà, et ça difficile. Parce qu'il faut te rappeler sur les lots que carte de lecteur, ça sert aussi des cartes d'identité. Mm. Dans la carte d'identité, tu n'as pas. Babi, bientôt. Oui, mais bientôt, si bientôt. Par exemple, si on a la carte de lecteur, on a gagné. Et commis malheureusement entamé et que les autres en a sauté parce que qualité à encre thermique on est ébouillie. Il faut que je présente un autre document où ils ont attesté qu'ils ont un autre document d'identité. Ce que document d'identité, bah nos bazar a 18 ans pénal ou bah premier enrôlé, bah on a des documents. Bon bateau bazar a permis de conduire
pour le permis de conduire. Bon, voilà ça document. Ils ont rappelé sauté. Bon, permis de conduire, il peut toujours avoir un problème. Mm. Bon, bateau et bazar n'a pas porté. Parce qu'un autre document représente un passeport. On a toujours scandale pour un mot. Pose un passeport, c'est compliqué. Mois, mois. Donc, dans le 2006, c'est là que, au cas où il n'y a pas un document qui atteste, il faut 5 témoins. Mm-hmm. Bon, il y a eu ça en Haïti. Il faut 5 témoins. Ce qu'il faut, bah, aura 5 témoins par un électeur. Les élections prendront combien de temps? Donc, tu vois que nos élections, malheureusement, elles ont encore un défi ébélé, notamment un défi technique. Ouais. Merci beaucoup, Ndeko Papi Maurice Bouiti. Les sages. Donc, on continue notre émission. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonner-vous dans notre chaîne, Pierre Bonheur TV, et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Papi Maurice Mbouiti. Ndeko. Candidat présidentiel. Mm-hmm. Donc, tout le monde est déco. Félix Tshisekedi, le président sortant, mm-hmm. face, il y a bloc où ils allaient à opposition, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, docteur Denis Mukwege, mm-hmm. Pasteur Ngalassi, Madame Marie-José, mm-hmm. Seth Kikuni, Tomoni, Docteur Chani, de père et de mère. Donc, Baza tellement ébélé mm-hmm. que de lycée Sanga. Baza ébélé, ou Bazali, mais Tomoni, comme si tendance dans côté opposition, comme il y en a des blocs. Mm-hmm. Parce que Tomoni bloque à Liboso et Salami. Il y a Matata Ponyo et Moïse Katumbi, tout le monde va s'être Franck Diongo. Mais on a tendance à voir aussi que non, comme s'il y a un autre bloc. Izo Salama, Denis Mukwege, Martin Fayulu et Delice Sanga. Tant que aux opposants à Bissot, peut-être censé, candidat comme même encore, pour que Baluka qu'on a chance, beaucoup plus de chance de gagner l'élection pour que Ndeko Félix Tshisekedi abi malibanda, mais bango bah ok, na ordre dispersé n'engouana. C'est quoi ton analyse par rapport à la situation? Bon, il y a deux choses. Déjà, moi ça ne m'étonne pas, parce que il faut évacuer politique, malheureusement. Sauf que la politique, les politiciens, les artistes, ils sont caractérisés par quelque chose qu'on appelle l'ego. Il y a un ego parfois surdimensionné. C'est-à-dire que l'ego, on est ça le rappel que nous devons croire naïe. C'est une qualité qui peut devenir un défaut. Donc, aussi d'abord, ego na bango moko. C'est-à-dire que bongaï na bango moko. Alors, il faut voir que l'élection en Mboka na biso depuis 2011 est comme un seul tour. Élection présidentielle. Donc, pour battre le président en exercice, il faut vraiment un bloc consistant, Oye Sangani, pour que vous combattre le président de la République, vous combattre le président sortant. Mais, mon cher ami, quand vous avez 20 candidats, il y a déjà que parmi la stratégie, il y a tricherie. Dans l'élection, c'est la multiplication des candidats. Parmi aussi, possibilité, il y a échec, il y a opposition, c'est la multiplication des candidats. Parce que le président qui est encore en exercice, très souvent, surtout sur ce mandat, marge de crédit pour Azar déjà sur place. Et surtout en termes de campagne, Azar, malheureusement, il utilise les moyens de l'État. Parce que Azar a contrôlé les moyens de l'État. Il a souvent plus de moyens que ses adversaires. Alors, ce que je suis au côté opposant, ça a mis moyen. Donc il faut que ça. Mais il faut que élection, ce n'est pas des individus seulement. Les élections, c'est d'abord un projet de société. Tout à fait. Un programme de société. Yo okoye la biso nini. Qu'est-ce que tu nous proposes pendant pour les 5 prochaines années? Na domaine il y a santé au sala nini, na domaine il y a sécurité au sala nini. Il faut que toi yebake, voici que en 5 ans ngai elo la proposer bino yango. En fait, en réalité to vota kandé le meilleur programme avec le meilleur candidat. Mais oui. Meilleur programme avec le meilleur candidat. Mais alors, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et lorsque vous avez un peu de temps,
D'abord, dans le monde, il fallait pas trouver le programme commun. Si vous trouvez le programme commun, après, vous avez le critérium. Mm-hmm. Qui va être le meilleur cheval pour Nabisso, pour fait. Tout gagner. Exact. Mais, tu as deux tendances. Tu as tendance à la katumbiste, tu as tendance à la bataille, il y a Fayoulou, Mukwege, na Deli Sesanga. Je pense que c'est une question idéologique. C'est une question de position. Il faut y avoir élection présidentielle, ils ont un bout. Na campagne, ils ont rendu presque tous les coups sont permis. Sont permis, exactement. Ouais. Alors, Ndeko, par exemple, Moïse Katumbi, malheureusement, Fatwa Oyo, Fatwa, ils ont un mot, ils ont un mot, origine naïe que on dit qu'il n'est pas vraiment congolais de père et de mère et puis on dit aussi que sa dame malheureusement azali ougandaise ou rwandaise ou burundaise donc tout ça parmi bah origine bazo lobakeza ya madame naïe ça fait partie des pays qui ont agressé le Congo donc ils ont le droit argument moko il y a ils ont desservir. Même si lui-même, en tant qu'ancien gouverneur du Katanga, il y a quand même des œuvres qui parlent à son égard. Alors, sur ce qu'on dit, tendance Wana, et puis, il apparaît comme celui qui a le plus de moyens. Donc, sur aussi, d'abord, il y a cette tendance-là qui le soutient, et une tendance qui pense que. Normalement, on a tendance à basal ou à nationaliste. Ceux qui pensent que vraiment. Les radicaux. Pas vraiment des radicaux, mais ce sont comme des nationalistes. Ce qu'on sort aux yeux, et pour ma personnalité, personnellement, très intransigeante. Aux yeux, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un de très intransigeant. Tomonier, durant les 5 ans, il a continué à clamer que c'était le président élu. Aux yeux, Delis Sessanga, Ipungu, c'est quelqu'un aussi de très intransigeant. Aux yeux, le docteur Denis Mukwege, lui aussi a certaines valeurs, où ils ont ça là, c'est rapproché. Donc, on a un rapprochement de valeurs. Alors, rapprochement de valeurs, alors, voilà, et c'est que tu comme le roi a trois blocs. Mais oui. Bloc, il y a président Fatshi, bloc, il y a président Katumbi, bloc, il y a Martin Fayoulou, Moukou Gendeli. Alors, maintenant, je crains que Togo Kende n'a trois blocs. Voilà. Si tu as trois blocs, voilà, et que ça, je pense que d'un côté, il y a Ndeko Katumbi. On dirait que si ça s'engage, si manaye, va se désister. Va bien yende. Yende, so aux yeux, le roi Ndeko Matata Ponyo, à se désister. Ndeko le roi Sept Kikuni, à se désister. Le vieux Franck Diongo, à se désister en faveur naye. Et puis aux yeux, Ndeko le roi là, bango va s'en ensemble, va désigner nante. Mais il y a aussi tous les outsiders. Aux yeux, tu as le jeune, tu as le constant Moutamba, ba maman Lifoku, tu as tout. C'est-à-dire que tu as le grignoté, point. Malheureusement, sur l'élection, tu as un tour, tu as un président élu peut-être avec 30%. Voilà. 30%, 35%. Parce que les voix vont être disséminées. Disséminées. Et très souvent, quand les voix sont disséminées, très souvent, malheureusement, c'est la tendance. Il y a moto à dans le pouvoir. Mais ce n'est pas encore garanti. Parce que la vérité des urnes, Ali, parce que jour en jour, il y a une urne. Il y a une urne. Donc, conclusion pour dire que pour l'instant, nous avons trois schémas, plus les outsiders qui vont faire la différence. Mais je crois que Tito Komaka, le 20 décembre, je pense que troisième tendance, il y a Bandeko Martin Fayoulou. Là aussi, ils vont sortir un seul candidat. Ils vont sortir un seul candidat. Comme ça, on a trois grands candidats. Et Félix Tshisekedi, Katumbi, na côté qu'on a, tu vis dans un bon repos. Donc Martin Fayoulou, tu Denis Mukwege, tu Ndeko Sessanga. Et vous allez trois grands candidats et les autres candidats. Tu vis dans un petit candidat, mais malheureusement, sur le plan politique, il pèse quand même moins. Que Noël Chani pèse moins quand même que Martin Fayoulou. Mais il faut qu'on se dise clairement. Bon, c'est un peu ça. Papa Maurice Mbouti, tu es un homme sage, intelligent, et je t'apprécie beaucoup, mon frère. Merci. Il y a une question que je voulais juste te poser. Comment va le Congo? Bon, mon cher, c'est une question. C'est une bonne question. C'est que nous tous, tous en conscient que le Congo va mal. Très mal. Le Congo va mal. Le Congo va mal. Pourquoi?
La première des choses, Congo a souffert une agression. Il y a des voisins à Bissau. Burundi, Ouganda, Rwandaise. Ça, pour le temps, il y a Congo et Angoana. Agression, il y a des voisins à Bissau. Alors, cette agression-là, ils ont permis de que Mboka est stable. Parce que ça crée l'insécurité. Excuse-moi, au niveau de l'est du pays, mais tout le pays. Ils ont insécure. Tant qu'ils créent insécurité, et ils ont ça que beaucoup qui causent un équilibre et c'est difficile pour avancer. Donc, sur le plan sécuritaire, déjà, nous souffrons parce que c'est une situation héritée de plus de 20 ans, 30 ans maintenant. 30 ans, oui, ouais, exact. Ça, c'est la première, première difficulté à Congo. Deuxième difficulté à Congo, ils ont une difficulté économique. Malgré qu'on parle de, des avancées, malgré que l'économie, il y a certains éléments de croissance, mais en réalité, sur les terrains, ils ont mon anaté. Parce que le social du Congolais, malheureusement, ils ont vivre en anaté. Social à Congolais, ils ont vivre en anaté que pas si ils ont ma casse na Kinshasa, pas si ils ont ma casse na Mboka. Mon cher, il faut que même si on a tous en a Mboka Mindele, inflation et Betty Makas. Betty Makas, et puis on le sent. Tous ont senti que maintenant que. Toningani. Ceux qui sont en Mboka, nous avons le Canada. Inflation et Betty Makas, c'est pourquoi on a le Congo. Donc, on a le Congo. Donc, on a pas ces amas. Sur le plan social, il y a une. Il faut le Bakay, il y a une misère sociale qu'il faut relever. Et troisième élément, oui, ils allient à Congo sur le plan politique. Politique. Quand je dis plan politique, j'ai parlé des antivaleurs. Et je vais vous la gangrène première, c'est la corruption. La corruption. Corruption, ils tellement que Mboka est sous la structuration T. Déjà, l'autorité de l'État est menacée avec la sécurité. Et que maintenant, tout le bas, structure économique, il y a Mboka, c'est compliqué. Parce que corruption et l'équipe à tous les niveaux, il faut, au Pesa Mbongo, au Pesa Kanyaka, mon cher, ceux qui ont Tali, combien de détournements va décrier. Mais détournement, on s'en rend plus, vous dites, na carte ba ministère ba na dédoublage ba service. Au moins. Donc il y a ça aussi, tant mobile sur le plan politique ba antivaleur, en même temps Mboka na biso mon cher, budget na biso par exemple. Plus de 75% de budget na biso et kendaka na ba institution. C'est trop. Mon cher, c'est trop, son aujourd'hui, ben c'est sur le quoi là, présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat. Déjà, ma institution politique, on a un bon repelé. Ce qu'on suit 21 000 dollars par mois fois 500. Et ça dit combien? Ce qu'on suit 30 000 dollars par nombre de sénateurs. Ce qu'on suit 30 000 dollars par nombre de ministres. Wow. Ce qu'on suit, les Alina, on va appeler ça la présidente de la République. On suit cabinet de la présidente de la République. On suit tous les conseillers. Donc, mon gognon sont malheureusement Isaac Okende. Na ma institution. Parmi ma Makamsou, il faut là. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Train de vie, c'est le qui est belle. Au moins, il est tellement élevé. Au moins, 21 000 wana. Il y a député national. Ceux so qui ont quitté sur mon 7 000 sur 22 000 candidats, bon, tu as 800. Mais ouais, mais oui. Ceux qui ont quitté sur mon 7 000 dollars. Bon, bah, l'ingé bon, mais ceux qui ont quitté le bon, bah, c'est pour être mis. Bon, tu as 800. Ceux qui pèsent sous. Oh, bah, tant que ceux qui sont pati 2500. Pour parler avec les copes, va s'enrichir, va tourner à Bandakou, va salaba bouzoba, vraiment c'est regrettable. Donc c'est ça, pour Nangaï, le domaine est ça là que Mboka, ils ont renié comme ça. Mboka, ils ont souffert. Est-ce qu'il n'y a pas d'effort? Si! Il y a quand même d'effort. Mais malheureusement, l'effort, Wana, ils allaient. Tout le monde dit, diloué na makambo tout le bio. Insécurité, corruption, bantivaleur, mauvaise gestion, aujourd'hui mauvaise gouvernance, aujourd'hui bisomoko. Tant que le monde dit corruption. La corruption est ancrée tellement au Kenaba secteur tout. Même si la COP est athée, au coup de COP. Alors, maintenant. Cop na, cop na, 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 na niveau nyonso, occupe sa passeport. Cop. Cop, au salaboui, cop, même un simple document au Kinde, au continent. Il y a état civil. Cop na nyonso, il faut payer ça bon. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, ça, ce sont les mots où ils ont freiné au Congo. Alors, tant que les mots où ils ont freiné, il est difficile
pour notre état de pouvoir décoller. Alors qu'on a tout. Orthodoxie financière, c'est-à-dire que régularité, discipline à finance, surtout discipline à la finance, ce qui, justice à l'abisso, et zombie le coup ça, bah, si justice, bah, moyen, et que tous les antivaleurs, ni ce que mon pandi, n'a édition en 5-10 ans, il y aura un changement. Dès qu'il y a un leadership visionnaire, leadership moko, il y a discipline, leadership moko, et zali clair, et puis que vraiment que, au yibi, au côté de la côté mais aux zong ici, au côté de la côté mais aux zong ici. Bah quand il y a les cambo, au kofuta, au tu as qui parle au sobi pétrole, au kofuta pétrole, tout à fait. Et puis bah encore une fois les secteurs où il y a un secteur primordial, la santé, l'éducation, la sécurité, investissez voilà, dans ces trois secteurs là, santé, éducation, sécurité. Au lieu qu'on soit une infrastructure, au lieu qu'on soit un secteur local et agricole, pour ça que nous allons ici là. Papa, je ne sais pas Congo. Tu ne sais pas où est-ce qu'on est. Tu ne sais pas où Thompson. Et quand tu ne sais pas que tu as un maille où ils sont capables de rouler ces bisous du premier au 30 pendant des années. Ceux qui ont un lobby, ça peut être fait rire. Au moment où il y a qui ça, il y a un curé. Papa. Naebisio banzombo ko bima wana. Naebisio bangolo ko bima wana. Mais nous avons constaté, moi je suis un ancien collégien, il y a collège Notre-Dame, Bosembo. Torobet à ligne 11, 24, banda bandalou mwati 24. Batira si naebisio nyo soye zagi vers Kankokulwana. Papa, so bandi ko kurango. Naebisio ngolozo bime si ka anon di mate. Wow. Mais ce que parce qu'on a la boue. Donc, on a que même ceux qui te disent que les kaka aux alentours, il y a autour de la rivière, aux alentours, parce que Kinshasa est couvert de rivières. On est surtout comme on est sur la rivière. La rivière Gombe, la rivière Kalab. C'est-à-dire que tu as la possibilité. Et puis, le fleuve est juste à côté. Donc, ça va tout moko, tu as aux alentours. Mais, il y a aussi un abisso à la. Mbokezo kana alima, peuple congolais, tozali en face, il y a réalité, tozali réalité na biso, il y a souffrance, il y a passé dans le Congo. Tozali liboso, il y a destin, il y a pays où, il y a pays na biso Congo. Tozali na belekso, tozali na maponamo. Bozala capable ya kopona. Ba tout au peu moto oyo a ko diriger mboka na nenga malamu a raison que c'est la biso honneur dignité oyo tozale o tozala kina voilà koponate parce que azali ndeko na yo voilà po azali moto ekolo na yo voilà koponate kasi pona moto azana bwanya azana mayele ayeli programme malamu a capable ya ko défendre yango yo po ozana courage ko c'était ndeko biso to checki wana pona osala mosala pona bo talo le belegi biso boye le après 5 ans ngo osali nini mais le élection comme tribal élection comme régional na ko voter telle personne parce que na muta kasai na ko voter telle personne parce que na za muta bandondo bandundu de to ba Congo to na ko voter po muta maniema po mutu ya Kivu te. Voilà si quand tu couffes, mboka na biso koufi. Le peuple congolais, surtout les Quinois, moi je m'adresse beaucoup plus aux Quinois. Parce qu'ils ont peut-être dû être un peu dur envers les Quinois. Parfois, espérons-moi que Quinoiserie, et comme ça, batou ba zoba. Et longola batou cerveau na kati. Mon cher, Moutouazali na a coxi 50 ans, fanda kanan ne baba parent. Mais azo continue ko bete la politicien ma boko bazo yiba yé moko na natika la ko sala ta tanga classe a 6 classe atika la ko sala sika moko te salité a salaté azo bota bana ba boko la bango na ngolo moli mo santo mais azo préférer ko bete la politicien ma boko pour ma pensée 10 dollars azo lo bakaka mboka o nzamba ko sunga biso un jour e ko bonga kaka mais to bosa na ke liwa pe salaka voilà. Au cours de 50 ans, bien qu'il y ait l'élo, il y a peu de choses qui sont l'élo, au cours de la natine à Jinini pour que au soit retraite, au bon 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 au b
Je me demande que tu es au bandeau. Mais aujourd'hui, grâce à ça, que tu es au courant dans ma mère qui l'a apporté, tu es au bandeau de vie à zéro. Parce qu'on a, on a perdu. D'une façon générale, on a perdu une grande partie de la vie de Nabiso et les qui a raboyé. Dans qui image, garçon, mon gars, bien, il faut rappeler qu'on a commis 35 ans, l'anniversaire, l'anniversaire qui va aussi. L'état comme ça, là, donc, on donc, on a que non. Et c'est là qu'il mourut, tout ce qui, mais à l'obéi, il m'a vrai. À se rendre compte que. A coxy 35 ans, a zan andoka ba parents, a salini ni na vie, a zan a nini an e loote. Bon. O tozo mouna a anama, a joana, mouna 30 ans, ma jeune médecin basalia. Oh, papa. Professeur d'université. Professeur d'université. Professeur d'université. Na ma 30 ans, mouna 30 ans. Professeur d'université. Hein? Doctorant. Batou, batou basali, na mouta zali maye, lozo mouna ke sens ya vie zali. Voilà. Mais biso. Bah politiciens sont boutiques les bisous nini bonjour qui Congo n'engue nini bon commissaire Congo wapi bah quinoa les Congolais tout mis tout na question toti kalo yenge parce que la même manière au oyo lelo bah tu musu bazo lela na demi dans les lignes quinquennat oyo tu continues na ngoka kaso qui te zupe grand mayelete tous les destins en boka na biso na maboko les pouvoirs ezanga na peuple ezanga na ba politiciens wana te pouvoirs ezanga na peuple tous les destins ya Congo na maboko e ko sunga biso to kende liboso ndeko papi Maurice Mbuti to pousa na malembe malembe vers ya fin mission to kota na deuxième partie na biso o ezali bongo partie ya partie culturelle parce que Bobo Sanate, biso tozali ba animateur socioculturel. Tout à fait. Tozali ba artiste. Des artistes et comédiens. Conteurs, marionnettistes, metteurs en scène. Directeur artistique. Et ça, mon sala oyo biso to salaka. Mon sala ba l'acceptation de ko mate échafaudage. Na mon sala art ba l'acceptation de ko katambi la té. Bah l'acceptation n'est pas qu'au dessiner, bah l'acceptation n'est pas ni y'a qu'au yemba, bah l'acceptation n'est pas ni y'a qu'au sala, y'a qu'au présenter bah pièce de théâtre, de jouer, y'a qu'au sépeler ça bateau. Le but au moins là qui ne gofali pour pas. Tu capes la merveille que tous on salue. Abete qui concerne na yon na yu arena. Mais concert wana zaki na mika katane bele, na bitumba na bande koba combattant. Mais tout le monde a dit détermination y'a fali. À Betty concert wana et c'est vraiment une réussite hein, vraiment bravo na artiste hein, une réussite to rosenga kaka bi misele so ba image za te ko ba concert les bousso les bousso ba image mon na raté pour le to sans to Betty concert papa Mbezali hein surtout Betty awira ya jibe ya Kofi Ezali mais ba artiste na biso yo lelo et génération oyo ba concert na bango et to mon na raté ne to rosenga vraiment misele biso papa to skota siko na makambwana bitumba ya ba combattant oyo ba combattant ba combattant oyo ba bundisi ba artiste mbula na mbula ti lelo omoni ndenga nini na makabu oyo utukoleka ne concert a beti pe ba combattant koto nga po na nga lobi ba combattant ba échouer ba échouer il faut d'abord to bana ko féliciter de ko l'artiste Fally Ipupa omoni Koffi Olomide qui est un grand de notre musique tant zoka ya benga kae la merveille il avait découvert que il y avait une merveille en cet artiste. Et aujourd'hui, Fally Ipupa, il faut le couper ses fleurs, mais ils ont les sons pour tous les citoyens congolais, pour Bissounio So, les sons, il y a discipline, détermination, na excellence. Excellence, ouais. Et puis, dans le Cameroun, surtout, il faut un peu de chance. Bissounio, il faut un peu de grâce. Surtout, chance, il y a lui. Et Fally Ipupa, depuis qu'il a commencé, carrière Mongo exemplaire, et puis hier, c'est un exploit. C'est le premier artiste africain à jouer pour atteindre 40 000 places ouais. Dans ce lieu, la salle de spectacle fermée à plus de 40 000 places. Donc, tout le monde que atteindre le palier Moko, Oyo et même sous musique et la culture n'a bisou l'icolo. Et là c'est qu'à fond sous nous là pour l'obi peut bander comme sous temps baroya on a somo et sur le web pour mon on a ça l'ango déjà. Sur mon on a ça l'ango si Fally l'a fait nous aussi nous pouvons le faire. On pourra le faire. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors les comme bander comme combattant
il faut dire quand même qu'il faut séparer les choses. Le combat est la noblesse d'ango. C'est-à-dire que la noblesse d'ango, revendication pour que Tolingi changement isala. Alors bon, besoin qui stratégie que le peuple congolais a une grande musique mingi. Ce qui te cueille na médium moana kotia ko contrecarrer médium moana, il y aura un écho et il y aura plus makasi parce que ba la musique mingi. Mais il faut dire que les choses ont évolué. Même les stratégies de combat, il faut y changer. Il ne faut pas changer physique d'épaule avant moi. Maintenant, il faut comprendre parce que le mot d'ordre à combat depuis plusieurs années, c'était Kabila dégage. Dégage. Alors, ce qui met là, objectif, on a, ils ont atteint. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Autre chose, ouais. Alors, est-ce que stratégie à continuer à boycotter musique, ils ont continué à fonctionner? Point d'interrogation. Parce que ça fait maintenant deuxième concert en plein Paris que Ndeko Fallait à Betty. C'est-à-dire que stratégie pour stratégie, on a, et comme il n'a pas faille. Comme il n'a pas faille. Et Zagui n'a pas force dans moi, n'a pas faille dans moi. Mais si quoi, il faut le faire avec stratégie, on a, et desservir musique, et Nabiso, Makassi. Et Bomi Wenge. Et desservir. Et Bomi Viva. Et Bomi. Et Bomi, quartier latin. Ma carrière est belle. Et belle. Et Koufi. Ouais, et Koufi. Et Sala est belle et Koufi, notamment Bartiste. Pour la stratégie, on a. Mais de l'autre côté, il faut toujours tout en balance. Il faut avoir conscience politique et zongi makasi. Et zongi makasi, ouais. Puis surtout, il y a un poteau en Europe, en Europe, quand il y a un côté, dans le salon, il y a Papa Wemba, il y a JB, il y a Ouera. Mais comme il y a un côté dans le salon, il y a Congo. Donc, ça, au niveau, il y a éveil patriotique. Ça, il faut dire bravo à ce mouvement de combattants. Ouais. Mais je pense que la stratégie de continuer à boycotter la musique est comme une voix et s'essouffler. Il faut qu'on change de stratégie à revendication. Aujourd'hui, Sikoyo, celui qui est au pouvoir, celui qui est le président sortant, c'est quand même. Parce que parmi les revendications avec les présidents Azalaki Wana, on doutait sur sa nationalité. De père et de mère. Ce qui fait que certaines revendications ne trouvent plus leur sens. C'est qu'aujourd'hui, il faut changer les fusils d'épaule. Les musiciens aussi, ils ont compris parce que, c'est Bélé Koufi. C'est-à-dire que Batunio, sur ma côté, le record sur le roi, Wingé, depuis 2006, s'il est là, Va se retrouver. Donc les carrières ont été bousillées. Mais c'est aussi pour une certaine cause noble. Mais l'élo est aussi, il faut dire, c'est un changement de génération. Bana o et bazo yoka musique qui a fali. Baza bana ba 22 ans. Baza génération Wengete. Génération Vivate. Voilà. Génération quartier la tête. Et la génération moya Sika. Voilà. Oyo bazala ki mikie. Voilà. Bakoli. Et ils font maintenant face, il y a Mikolo, concert, donc ils ont face à ma papa, à ma maman, à ma tonton, affrontement sur le commis entre mes parents. Voilà. Et comme si on a un conflit générationnel. Parce que cette génération ne comprend pas pourquoi vous nous empêchez, nous aussi, d'avoir le temps de nous divertir. Le concert de Fali Pour, c'était 2 heures du temps. Il faut dire encore que la musique continue de jouer. Est-ce que Nabanda ou musique est bêta raté? Est-ce que Nabanda ou musique est bêta raté? Et bêta raté. Non, en fait, c'est bêta raté, bêta. C'est-à-dire que même le combat, le combat doit être réfléchi par rapport à la stratégie. Que cette stratégie, malheureusement, elle a eu un effet pendant un certain moment, mais maintenant, cette stratégie, pour Nangaï, est épuisée. Donc, il faut maintenant passer à une autre stratégie. C'est toujours bien de continuer à revendiquer pour le Congo, toujours bien de continuer à manifester, mais. Il faut changer peut-être de cible. Parce que Monguna est congolais. Et Zaga est congolais. Ceux qui combattent le congolais, on le connaît. Mais oui. Ceux qui agressent le congolais, on le connaît. C'est-à-dire, on connaît où se trouvent leurs ambassades. Je pense qu'il faut faire la pression maintenant, à niveau de la grande instance, à niveau de l'Union européenne, Congo Tiga, même au niveau de l'Union européenne, à niveau de la président Macron. Au moins, il y a encore le président Macron à Yagina Congo. Il avait compris quand même que non seulement que Bayamba qui est, mais certains pays ont certaines résistances. On a vu ça. Donc, stratégie à combat, il faut changer. Je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps de laisser faire cette stratégie, de laisser l'artiste s'exprimer. Et les artistes aussi, notamment les musiciens,
Je pense que après 15 ans, 10 ans, ils ont compris ce pourquoi on leur basait bon bah pexé bon musique et bêta. Donc je pense que tout ça quand même dans soukalango pour la conclure, tous les missionnaires sont bana Congo. Donc il faut quand même fumer le calumet de la paix, tout mais la mission de ce Maya Pio, tout comprendre la mission de ce tout. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, chaque artiste à Zobeta na poto, il rappelle quand même au monde que malgré tout Zobeta Awa, bah, il n'y a pas ses amis. Chaque artiste a commis que soit allégué dans le plateau, il y a chaîne Moko, bah, chaîne Yamindele, a rappelé quand même que la bossanité va souffrir. Parce que l'art meilleur artiste, c'est seulement leur voix, leur prestance, leur notoriété en dénonçant des choses. Mais ce qu'on a dénoncé, je ne sais pas, redénoncer une fois, deux fois, trois fois, chaque fois, mais tu continues à faire ton travail. Parce que, bah, footballeur, bah, Bessara, Missara, Bango, tout le monde continue de faire leur travail. Pourquoi seulement les artistes? Donc, en plus, la mission est à bêta. Mais pourquoi on ne les empêche pas? Parce que ce sont les mêmes musiciens. Oh, bon, on va payer ça. Bon, bêta conseil, mais aïe, comment faire un apôtre? Azo bêta conseil, mais vous trouvez en normal. Donc, je pense que cette stratégie, malheureusement, et comme il a souk, il s'est épuisé. Stratégie, il faut changer. Il faut changer le fusil d'épaule, comme tu dis. Et peut-être qu'il faut descendre carrément sur place. Les élections sont là. Peut-être qu'il faut descendre sur place, continuer et qu'on dans l'élection, qu'on dans un parti politique et un groupe de pression, se faire la pression auprès des décideurs. Pas auprès des musiciens, auprès des décideurs. Mais mon frère, je l'ai toujours dit dans le groupe à combattant, tant qu'il n'y aura pas un leader, à canaliser bango, à un guide, à remettre bango vers l'excellence, vers et le gomoro boy. On cherche et aux alaga pour bango balaga non comment ils vont s'en aller na leader tebo na boy papa groupe moko te tambolaga car en négoire et balou bat tambolaga bazara toujours na moko a guidé bango liboso même en tabasso bat tambola balanda kanzela oez liboso mais je pense que c'est difficile mais mon frère je sais que c'est difficile mais organiser parce que le combat d'aujourd'hui est à tellement de désordre on ne sait pas qui est qui fait quoi. Mon cher, on a toujours qui va m'accamouser parce qu'il y a un groupe de combattants, bah qui négocie en falim bongo, qui va payer ça, va payer 50 000 $. Malheureusement, yangonde isa connuir, yango isa connuir. Connuir. Un groupe de combattants bah qui va payer 50 000. C'est-à-dire que va payer 50 000 $ pour l'auto-sale le côté. Et comme voilà, et comme je dis ok, et le gomogo y a deal, et c'est que bébé yangoana. Voilà. Et comme le gomogo y a volé là, et c'est que bébé yangoana. Donc, et quand ça l'a négocié, mais je pense que le gomogo dans ma leadership, au moni combattant et bimaki quand on a vu, c'était un mouvement sporadique. Ils avaient dit exaspération, il y a batou. Mais comment rien ne change, exaspération, il y a batou. Après, il y a eu quelques têtes où ça s'affichait. Il y a quand même quelques, certaines organisations qui s'affichaient. Mais comme tu dis, malheureusement, mon cher, il faut savoir faire la lecture des événements, la lecture de temps, la lecture des époques. Et que, donc il faut réfléchir autrement. Comment un groupe de pression, mais vers les décideurs. Vers les décideurs, vers les multinationales, vers l'organisation internationale, mais pas forcément sur les artistes. Parce qu'on a vu que sur les artistes, malheureusement, le résultat, ils ont changé, ils n'auront pas grand chose. Donc, dans Souka, on fume le calumet de la paix, surtout, vous allez conscient que Mboka, il faut changer, surtout, vous allez conscient que vous allez Mboka, et ce que vous allez, que vous allez Mboka, vous appelez la Makanisi. Ils ont un coma, ils ont un loba, ils ont un intervenu, ils ont un travaillé, ils ont un changé de comportement, ils ont un changé d'attitude, et ils ont avec Mboka qui est Liboso. Mboka, il y a un Liboso, ceux qui ont un volonté de Mboka, Mboka, Wana, de Mboka, parce qu'il nous manque juste vraiment la volonté de Mboka, Mboka, Wana. Mais il y a un volonté de Zalité, ceux qui ont un pas ma boko na so na kati a patite to ba nos alaka to sambela to benga nzambe sai la biso bo alors que Dieu nous a tout donné dans ces pays là tout à fait. Dieu nous a tout donné dans ces pays là et ça voilà c'est un talent aux en rata bible voilà ba pesi mundu ba pesi talent moko musu ba pesi mi balé o mi balé ki a multiplié moyenne na ko 4 yo zu talent na yo okundi ngo lobi ke non te na so banga kolo na ngo za la strict bo mais ba ko boto lo na oyo yo za la ki na ngo ba pesi ngo na o multiplié ki voilà et le ko sur le kana Congo ya ngo na
toza na nyonso mer comme si toza consciente que toza na nyonso voilà to lingi kaka ba sale la biso nzambe sale la biso boy mane ko koya lesusu te soki yo moko soki biso moko peuple congolais to telemité to zu destin na biso te na maboko et loko moko te e ko bonga voilà nous sommes arrivés na fin ya émission na biso voilà nous sommes arrivés magazine na fin ya émission na biso to solo la mboka magazine na bino to solo la mboka budenge boyebi ke et pesa mi bongo na papi Maurice Mbwiti et patience Fayoulou, bonheur, tous les bons mots, awa, na Montréal, vraiment, n'engue beaucoup, tout fandi boye, et ça n'a pas, na baye, bah, mais ça n'a qu'au sunga, biso, quoi, encourager biso, bokende, liboso, chaîne, oh, bâti la gabiso, bah, poids, bah, son gabiso, tout avancé, togo, bossanate, l'artiste Aimé Kidimbou, Aimé Kidimbou, na pesipe mbote, na kulutu nangai, wabolingo, père, maele, Hilaire Koka, yazaeli bongo na Emeki Dimbu, topesi mbote na bato nyonso bazola na biso. Topesi ndeko na ndeko na mbote na ndeko Patin Kieri, waza na biso mbala sima waza na biso. Voilà. Nous saluons aussi Baudry Mavwangi qui nous suit à partir Repentini. De Repentini. Topesi ndeko mbote na Stone. Stone Monfo. Stone et arrobas, maman arrobas. Na Grémi. Sans oublier Salon Congo. Claude Salon Kiba. Congo, Claude Kiba. Claude, tu peux si on bote mingi, tu peux si mbote mingi et pas un deco. Dédé Kouyo, qui nous suit à partir de Deux Montagnes, Papi Olivier Moulamba, Papi Ntumba, bandeko nous sommes dans la bise de Beau Sanité, la famille Mwiti, vous avez mbote la bise de Ska, vous allez bandeko nous, c'est Ska, vous avez États-Unis d'Amérique, bandeko bazana Kishasa, bandeko bazana Europe, tu connais ce bongo, Gika Beyamouya, salut à toi. Sans oublier aussi la famille Fayoulou à Montréal et à Kinshasa, voilà. La famille Kinshasa. Fayoulou. Donc, tu peux s'y mbote, tu peux sanité, la famille Tamba à Montréal, Daddy Tamba à Kinshasa, et ainsi que Mama Lolo à Montréal, Mama Lolo na Bananyonso, ya Ashley, Bananyonso, donc Tim, Timéo, April, tu peux s'y mbote, Binounyonso, sans oublier Mama Nadej Kabemba. Topesio Pembote, Mama Françoise Ndala, Kassa ou Papa Didas, Claudine Lumbu, Bibiche Mumbu, Topesi Bongo Chelan Tutisa, Fabrice Baboulomtima, Abali Lobi, les nouveaux mariés. Fabrice Baboulomtima, Abali. Fabrice Baboulomtima, Baboulamonkeur, Abali. Baboulamonkeur, Baboulamonkeur, félicitations. En tout cas, Bandeko News sur Yakishasa, Napesi Bongo Bandeko News sur les Béjar, Bandeko XXL, Bandeko Atea, Mbote. Rabino, spécial dédicace à toute la famille en Belgique, à ma maman, maman Hélène Ngoma à partir de Bruxelles, docteur Romel Tassoum à partir de Bruxelles, David Massam à partir de Bruxelles, Wadjeri, grand frère propre, et à tout le monde, Jovial Mbenga, je n'ai pas oublié, Shaïda Soukousoukou, Bandeko Nyonso, on a États-Unis, tu peux être Dadine Moussitou, Dadine Moussitou, États-Unis, tu Pessi Mbote, na Maïkilo, États-Unis, Toto Kisaku, Toto Kisaku. Kisaku à partir des États-Unis. Tobo Sanité, président Jano Mamana, Mama Jackie, maman présidente, Mami Kama, grande sœur à moto, Bana Nyonso, Bozoa Mbote Labino. Et puis, vraiment, nous sommes ensemble, nous avons repris. Vraiment, nous avons repris nos activités. Chaque semaine, on fera vraiment un effort. Il y a qu'on présente Bino, émission Moko. Parce qu'ici, on parle de l'actualité, on parle de la culture, on parle de tout, de la société congolaise. Même Makambo, ils allaient coller ça. Nakati, Yamboka, Nabiso, Nakata, na Montréal, mais ceux qui touchent communauté congolaise, Toyaka, Toko Solola Yango, Toko Lobela Yango, Nandenge ya Boania, Nandenge ya Mayele, Nandenge ya Bato, ils allaient coller raisonner. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde, excusez-moi, tout le monde, il y a tellement ébélé, il y a tellement ébélé, il y a tellement ébélé,